Yo tout le monde, c'est Souli sans trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire le chapitre 14, placard du péril, piège. Alors, ce niveau est vraiment sans dessus dessus. Ah ouais, c'est un niveau en fait où t'as l'impression que tout est à l'envers. Je pense que c'est un niveau où tout est à l'envers. Ça va faire bizarre. D'accord. Ah par contre, la bombe que je viens d'avoir, j'aurais pu la balancer là-haut. Ouais. Bon bah tant pis. Ce n'est pas grave. On peut avoir la pièce numéro 1 déjà. C'est clairement dangereux hein, cet endroit. Allez vite. Ah, qui répond à la cible. Il faut une deuxième pièce. Est-ce qu'on le fait la bombe ou le fait comme ça? Ah, c'est pas long. Bah oui, on peut. Bon, ça. J'étais en français. Alors ça, c'est pas de chance. Ça va one shot. Bon, ça va que la sauvegarde est pas trop loin, on va dire. Oh non, mais ça m'a one shot. Mais comment on passe là en fait? Tout court, comment on fait pour passer? Oh, mais j'arrive pas à passer en fait cet endroit. C'est vraiment horrible. Hein. Ah mais ça m'a one shot. Non mais comment on fait pour passer cet endroit? Je ne comprends pas. Attends. Des... Ah ouais mais fallait... Ouais fallait pas mais fallait... Bon. Ah clairement c'est bien du jeu. Non je veux pas comme moi je veux pas... On va pas le prendre hein, celui qui est en rouge, le mignon en rouge. Oui, oui, j'ai de la chance là. De la chance? Non, pas de chance. Malheureusement, le crabe, il a pincé. Bon, finalement, on va le prendre bien en rouge. Non, c'est pas. Mon personnage, il a existé. C'est bon. On passe, on passe. Ouais, on passe. Clairement, il y a un truc en dessous. J'examine l'endroit déjà pour voir comment faire. Par contre, c'est quand même bizarre parce que les pièces elles sont quand même anormalement proches. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un niveau qui va être très court. Je crois. Je ne sais pas, mais ça a l'air d'être un niveau qui a l'air un peu court. Finalement. Ah, je pensais pouvoir passer en. En hauteur, vous voyez ce que je veux dire, fallait faire ça. Oh, non. Oh, ça fait toujours pas marcher. Bon, c'est pas. Oh, bon, en plus, c'est pas sur l'air.
Pourquoi il passe par là en fait? Bah c'est parfait. Par contre, je ne sais pas comment faire pour me faire dessus. Ah si, il va falloir monter là. Ouais, il y a la plume de 10 là. Vous voyez la plume qui tourne un peu sur l'eau. Ah ouais, ça va être très chaud. Hein. Ça va même être plus que chaud de passer par là. Oh le crabe. Je ne sais pas comment on fait pour passer avec le crabe sans mourir, on va dire. Là je vais prendre tout le temps des dégâts hein, avec ces pics qui sont voilà, un peu sur deux. C'est pareil pour les crabes, je vais faire avoir pratiquement chaque fois. Sur l'île, c'est pas des plateformes comme un moment. Pas que c'est un petit peu horrible dans les choses de temps. Bon bah c'est pas dans ce niveau qu'on va faire un perfect hein. Mais on qu'est-ce qu'on fait là? Bon comme ça déjà on va voir ses plumes à lui. Voilà, c'est toujours bien. En même temps, le vu le nom du niveau, enfin, ça paraissait être dangereux. Donc lui, on va pas... Enfin, voilà, clairement. Et maintenant qu'on a la sauvegarde, je me sens un peu mieux, là, pour le coup. Ça va une fois de recommencer tout le niveau sur 3-0. Ok, un passage, là. Je suis content d'ennemis du bas, mais bah non, on va voir. Il ne tombe pas. Et je vais juste voir s'il y a quelque chose au plus bas. Non, il n'y a que l'ennemi, il y a que le fantôme, mais il n'y a rien d'autre. De toute façon on va pas dans la suite donc on va le prendre. C'est clairement un truc à mourir dans la première. Encore l'ennemi. Parce que ça c'est vraiment un ennemi de crabe. C'est un ennemi jugé. Enfin, si jamais vous avez un crabe, vous pouvez l'avoir. Parce qu'en fait là, vous ne pouvez pas nager dans l'ouvert. Dans l'ouvert c'est de l'acide. Et si on va dans l'ouvert, comment vous dire, c'est la mort aspirée, tout simplement. Ouais. Si vous voulez mourir, eh ben, ne pas aller dans l'eau. Vert. J'analyse la situation. Oh, cet ennemi va me... un petit peu me whine. Oh, il m'a pas besoin de voir. Bon, la musique c'est un petit peu calmé, on est bien tranquille, je trouve. Oula. Ça devient dur. Oh, je me suis fait one shot. Ah ouais, on recommence jusque là, ça dépend de ça peut mettre. Ouais, d'accord. Bon, ça va nous. Ça va un petit peu m'énerver quand même, hein, pour commencer tout ça.
système et j'ai réussi à passer. Ah, mais d'accord, carrément. On a loupé une pièce, on a loupé la pièce numéro 4, malheureusement. Malheureusement, on a loupé la pièce numéro 4. Alors, par contre, je perds les lits parce que je ne veux pas de passer. Cet endroit, vous en avez besoin. Pour avoir cette. Oh là 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 là. Eh, le niveau est dur, hein. J'aurais voulu avoir toutes les pièces, mais malheureusement. Bah, la quatrième pièce, pour moi, est introuvable. Enfin, introuvable, ça se trouve, elle est tout simplement cachée. Et je ne l'ai pas vue, mais. Mais elle est très bien cachée. Donc le chapitre 14, pas facile. Hein. Hey. Eh bah dis donc, hein. Donc le chapitre 15 c'est bon, c'est bien. Bon, j'espère qu'après demain on souffrira pas trop dans les niveaux parce que franchement... Il y a des niveaux simples quand même. Là, alors du coup, la prochaine fois, on se fera le chapitre 15, Trouble et Turbine Tsunami. Voilà, le tsunami, c'est qu'à l'eau qui arrive. Donc après demain, c'est les solutions trophées.